tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo mini-album un petit peu particulière. Donc il y a quelques jours, j'ai vu sur dans mon fil d'actualité Facebook, et puis comme je suis la page Mes Petits Ciseaux, qu'il y a une infirmière, donc ça doit être Karine, mais je ne sais plus son nom, je suis désolée, mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est une infirmière qui travaille dans un hôpital en néonatologie, et en fait, à chaque départ d'un bébé, elle offre un mini-album. Donc, elle a fait un petit appel aux scrappeuses qui voulaient participer. C'est pas une obligation. Mais moi, j'ai trouvé cette idée vachement touchante et très, comment dire, super pour les mamans qui ont un bébé, qui doivent le laisser à l'hôpital et puis repartir avec des petits souvenirs, de leur bébé quand ils étaient là-bas. Je trouve que cette infirmière a une idée super bien et très touchante. Donc, si elle regarde ma vidéo, je ne sais pas, mais je la remercie beaucoup pour ce geste parce que tout le monde ne le fait pas. Je ne sais pas si par chez moi ils le font. J'aimerais bien, pourquoi pas le lancer aussi. Enfin, moi, je ne suis pas infirmière, hein, mais pourquoi pas s'il y a une infirmière qui est du Pas-de-Calais et qui trouve cette idée super, on peut faire appel. Les scrappeuses, généralement, elles sont généreuses et elles participent avec grand plaisir. Donc moi j'ai trouvé cette idée sur mon fil d'actualité. J'en ai parlé à ma soeur, à ma mère, qui sont aussi scrappeuses. Et du coup, on s'est fait en cam pendant 2-3 jours le mini-album. Donc chacun chez soi, mais en cam. Et c'était super sympa. Du coup, on n'a pas les mêmes styles, c'est ça qui est bien. Et du coup, on va regrouper notre envoi pour faire un plus gros envoi, comme ça on partage en même temps les frais de port. Donc si vous êtes plusieurs de votre entourage à le faire, pourquoi pas regrouper. Et du coup, moi j'ai décidé d'en faire un garçon et une fille. Ma maman, elle en a fait deux, je crois, un garçon et une fille. Ma soeur, elle en a fait un pour l'instant. Donc elles n'ont pas de chaîne YouTube, hein, mais voilà, elles participent. Je mettrai une photo globale quand j'aurai tous les mini, quand j'aurai récupéré les mini-albums de ma mère et de ma soeur. Et je montrerai sur ma page Facebook. Donc en fait, en plus, c'est bien parce qu'elle a fait un petit tuto très sympa. Donc après, chacun fait comme il veut. Du moment qu'il soit pas trop chargé et le plus simple possible et pas avec des tamponnages, enfin des textes trop touchants comme la vie est belle. Parce que un bébé qui est en néonate, généralement, c'est parce qu'il a des petits soucis pour commencer la vie. Et du coup, le petit mot bonheur et tout ça, ça passe bien, ma petite boule d'amour, mais tout ce qui est la vie est belle et tout comme ça, elle a dit qu'il fallait un petit peu éviter. Donc voilà. Alors, pour ce mini-album, j'ai utilisé donc une collection de FD Co. Donc, je n'ai plus le titre. Je vais regarder. Comme j'ai découpé les petits die-cut au dos, en fait. Donc, je ne sais plus. Non, je ne sais plus le nom. C'est celle avec les koalas. Donc, c'est la collection avec les koalas. Et j'ai utilisé aussi ce petit lapin ici. Donc là, c'est la collection Dream Baby Boy. C'est le die-cut de la collection. J'ai juste utilisé ce petit lapin ici de cette collection. Et après, des dice bébés que j'avais. Donc voilà. Donc là, My Baby, ça vient de la collection avec les koalas. Et Baby Boy, c'est des embellissements de chez FDECO aussi. Ce papier-là, c'est du tissu à sequins. Donc, quand on touche, c'est pas lisse, c'est bien les sequins en relief et qui vient de chez FDECO aussi. Donc, j'ai fait ma petite tranche avec. Le papier de chez FDECO, c'est les papiers qui sont à rayures et à poids. Donc, moi, j'ai ajouté des petits coins. Je trouve que ça va être très joli. Donc, ici, pour celles qui sont de la génération, l'ancienne génération, enfin l'ancienne, on n'est pas si vieux que ça, hein. Donc ça, nous, on appelait ça des totoches dans mon temps. Et une fois, j'en avais vu à Noz, je me dis, tiens, je vais le prendre, ça va me servir. Et puis là, ça m'a servi. Et après, un tout petit charme cheval à berceau, trouvé chez Noz aussi. Là, je l'ai embossé avec de la poudre embossée bleue. Et du coup, je l'ai fait en 2-3 fois et je trouve que le rendu, il est vachement beau. Donc, je voulais quelque chose de très, très simple, très neutre. Pas trop d'embellissement par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc quand on l'ouvre, là ici je vais glisser une petite carte avec un tout petit mot pour les parents. Donc là on peut le passer. Donc là j'ai ajouté trois petites perles. Et là ici, il manque un petit mot, hein. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc
Moi, je l'ai attaché. Elle, dans son tuto, elle le fait recoller ici. Et comme ça, en fait, quand on l'ouvre, c'est comme ça. Mais moi, je trouvais que sur le côté, j'aimais bien. Enfin, ma maman, elle avait fait ça. Et je dis, ah, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, du coup, voilà. Donc, vous voyez, c'est la collection avec les koalas. Donc là, la première page. Et ensuite. Alors là, il est marqué, donner la vie est une expérience magnifique, unique et merveilleuse. Je pense que ce petit mot-là, ça va. Donc ensuite, j'ai décidé de faire les petits passants. Comme ça, elle aura juste. Comme c'est l'infirmière qui met les photos, elle aura juste à glisser. Donc je les ai tous collés. Donc là, ici, la photo, elle vient se mettre en dessous et s'agripper ici. Là, pareil. Encore un petit koala. Voilà, la petite totoche. Avec les petits nuages. Du coup, j'ai trouvé cette idée tellement superbe que j'ai laissé ma création que j'avais mis, que j'étais en route pour commencer celui-ci. Là, les petites maisons, elles viennent. Ah, bah oui, de cette collection-là aussi, Doing Baby Boy. Bonheur à portée de main. Là, ce dice-là, il vient de chez Action. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Ensuite, celui-ci. Là, ma petite bouille d'amour. Donc, un coup, les photos sont portraits, un coup sur un paysage. Celle-ci vient de chez Action aussi. Et la dernière page. Donc là, normalement, c'est le petit cadeau. C'est quand le bébé repart à la maison avec les parents. Enfin, moi, je voyais ça comme ça. Donc, et voilà. Et les petits arbres qui viennent de la collection Doing Baby Boy aussi. Donc voilà mon album. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve très clean, très, très simple. Ça me change de d'habitude. Donc, encore merci à toi, Karine. Alors, je ne vais pas le dire le nom parce que je ne suis pas sûre du tout pour cette superbe idée. Donc, voilà mon album. Et là, maintenant, je vais m'attaquer à celui des filles. Donc, je viendrai refaire une petite vidéo aussi de présentation. Donc, voilà, j'espère que. Donc, si vous voulez participer. Si vous voulez participer à ce petit. Comment dire? Ce petit projet bien sympathique et tellement. Tellement doux et puis réconfortant pour les parents. Désolée, c'est ma petite chienne qui pleure. Elle aime bien quand je fais des vidéos. En ce moment, elle monte les escaliers tout de suite et puis elle vient là pour se faire entendre. Donc, si vous voulez participer à ce petit projet, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, la page Facebook de la dame et puis ben vous retrouverez, c'est mes petits ciseaux, vous retrouverez un lien pour Ruby, un lien pour créer ce mini-album, parce que soit c'est tout noté, ou alors soit il y a une vidéo YouTube explicative. Et c'est super bien expliqué, donc maintenant, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Donc là, moi, je vais ranger ça, je vais le mettre de côté, et je vais m'attaquer à celui de fille. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye!